Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Et ouais, ça s'arrange pas, hein. J'ai bien mal. Quoi, ce matin, je bois mon café. Je vais remettre un petit peu de crème. C'est Catrice Pore Spot Treatment. J'adore pour les boutons de fièvre. Elle les assèche vraiment super vite. Et elle les soigne. Donc je vais remettre un peu de ça. Alors, ce matin, je viens de sortir de la douche. J'ai fait mon lave-vaisselle. J'ai rangé un peu la table. Il y a encore un peu de bordel. Surtout les paniers de linge. Mais il y en a un que c'est le linge que mes nièces n'ont rien voulu, donc je vais devoir les mettre sur Vinted. J'ai pas le courage de faire mes mains Vinted, c'est affreux. Non, Yuki, je suis occupée. Et qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah, il faut que j'aille laver les plateaux, parce qu'hier on a eu un barbecue. Voilà, je vais vous raconter mon petit week-end, comme d'habitude. Donc vendredi, chérie a nettoyé toute la terrasse, les chaises et tout ça. Et comme il a sorti le karcher pour faire tout ça, je lui ai dit, écoute, on va faire la cage des titis en même temps, parce qu'elle était vraiment dégueulasse. Et donc, j'ai mis les titis dans la boîte de transport, dans leur pochette. Au début, tout allait bien. J'ai enlevé tout ce qui était en tissu et j'ai laissé les jouets en plastique pour qu'ils soient nettoyés aussi. Donc, il l'a nettoyé au karcher sur la terrasse. Elle est bien propre pour l'instant. Elle est rouillée, par contre, on a remarqué que c'était pas de la crasse, c'était de la rouille. Alors, vu le prix de la cage, c'est scandaleux. On a dû attendre qu'elle sèche et tout ça. Donc après, une fois qu'elle était sèche, je l'ai ressuyée un petit coup pour bien enlever l'humidité. Ce qui n'a pas été forcément très bien fait, puisque les titis se cassaient la gueule après. Et j'ai tout réinstallé à l'intérieur et je les ai remis à l'intérieur. Sauf que ben, comme il n'y avait plus du tout le rôdeur, non, c'est pas conseillé de le faire, hein, mais là il fallait vraiment la faire à fond la cage. Ça fait 2 ans qu'on les a, on a changé 2 ou 3 fois de cage. Donc je veux dire, ça fait bien 1 an que j'ai la cage là et qu'elle n'avait pas été nettoyée à fond. Je parle des barreaux et tout ça, hein, parce que je le nettoie régulièrement. Et donc là il n'y avait plus du tout le rôdeur et c'était panique à bord. Du coup, il y en a un, je pense que c'était Shadow, parce que c'est lui qui saute souvent très facilement de la cage. Il a sauté jusque là, au milieu du salon, en plein milieu des 3 chiens. Je me retourne à une vitesse, chérie, il a plongé dessus pour le rattraper. Moi, je me retourne à une vitesse pour tenir les chiens, Riley et Ryan au moins, parce que bah, Riley l'a foncé dessus, hein, il a essayé de le choper, il a eu un moment dans la gueule, heureusement, il n'a rien eu. Mais du coup, dans la panique, j'avais laissé la cage ouverte, la porte de la cage ouverte. Arrête, Yuki! Et ben, les 3 autres se sont sauvés aussi. Donc j'étais en train d'hurler. Sam, viens vite, viens nous aider, Sam, dépêche-toi! Il était dans sa chambre au 2e étage. Et pour finir, on a réussi à tous les rattraper. On a enfermé vite les chiens à l'extérieur. On a fermé la porte à clé pour être sûr que Ryan ne rouvre pas. Mais c'était panique à bord, quoi. Et après, ils étaient stressés, mais stressés, jusqu'au lendemain matin, le temps qu'ils remettent bien le rôdeur partout. Hein, voilà, les 2 mâles ont bien pissé bien partout pour mettre le rôdeur. Et voilà, maintenant, on est tranquille pour quelques temps. Mais au moins, la cage, elle est nettoyée à fond, quoi. Parce que, et là, je dois encore remettre une étagère, mais il me faut des rondelles et des boulons qui vont sur l'étagère en coin. Et je ne sais pas où chérie a rangé son pot avec tous ces trucs-là. Parce que je lui ai demandé de regarder, hein, mais je ne sais pas quand est-ce que je les aurai. Donc voilà pour le vendredi. On a eu une grosse frayeur. Hein, vraiment, on a eu très peur. Le samedi... Ah oui, le vendredi, on est passé aussi... on a été chez Cora faire les courses pour dimanche. Et du coup, on cherchait le cadeau de la fête des pères de mon beau-père. Oui, on était très en retard. Hein. Ma belle-mère a eu que son cadeau de la fête des mères hier. Enfin, nul, hein, ça m'énerve. Et du coup, on est passé dans plein de boutiques. On n'a rien trouvé d'intéressant. Et on a fini chez Rituals. Et on lui a pris un coffret pour hommes.
Et du coup, chérie a pris un diffuseur pour la voiture, parce que mon frère nous a dit que ça valait vachement le coup, même que c'était cher à l'achat, que ça durait super longtemps, que ça sentait fort, et que c'est rechargeable, donc voilà. Et du coup, il a eu un cadeau, il a eu un... C'est un nettoyant visage et une mini mousse de douche, je crois. Donc comme ça, chérie pourra tester aussi, il a jamais testé la gamme, enfin, il a jamais testé Rituals, lui. Et voilà. Et le samedi, on a donc été manger dans ma belle famille. On a été chez mon beau-frère et ma belle-sœur. On a mangé à barbecue toute la famille pour fêter l'anniversaire des deux garçons, puisque les deux frères sont nés à 2 ans d'intervalle, mais à 2 jours, 3 jours d'intervalle. Un le 16, non, un le 17 et un le 19, donc 2 jours d'intervalle. Et on a passé un super moment. Voilà, c'était super agréable. On a bien rigolé. On a joué, ma belle-sœur avait le jeu. Mon autre belle-sœur, j'ai beaucoup de belle-sœurs moi, a ramené le jeu Tu ris, tu perds. Et bon, j'ai gagné. Et on a rigolé comme des malades avec cette histoire, hein, avec ces blagues qui étaient tellement nulles. Mais ce qui était le plus drôle, c'était ma belle-sœur, Virginie, désolée, ma belle-sœur qui ne comprenait pas les blagues. Alors là, mais c'était unique quoi, parce que nous on était morts de rire, puis elle était là. Mais j'ai pas compris. J'en pouvais plus. Elle était tellement drôle à dire. Ah, mais j'ai pas compris. Puis 10 minutes après. Ah oui, d'accord, j'ai compris. On a rigolé. Le petit nous a bien fait rire encore, comme d'habitude. J'ai fait le montage photo. C'était chouette à regarder tous ensemble en famille. Et voilà, ça c'était pour le samedi. Et bah, rebelote le dimanche. Mon frère est venu manger. Et là, il y avait tous les enfants, enfin, sauf ma plus grande nièce qui est encore à Rio. Elle revient qu'aujourd'hui, elle. Donc, elle n'était pas là. Mais on a passé un super moment. Moi, j'ai beaucoup discuté avec mon neveu et mes deux filleuls. Parce que, oui, j'ai décidé d'adopter ma nièce en tant que filleule. Voilà, elle m'avait dit la dernière fois que j'étais plus une marraine pour elle que sa propre marraine. Et du coup, je l'ai adoptée. J'ai ma filleule de baptême et ma filleule de cœur. Et on a beaucoup discuté, on a passé un super moment. Il y a Enzo qui est venu avec sa copine aussi. On a vraiment. Mais Riley, on a vraiment, vraiment bien rigolé. C'était franchement super agréable. Mais du coup, moi, j'étais naze parce que 2 jours sans sieste, je n'en pouvais plus. Donc j'ai dit à chérie, il était quoi? 6h moins le quart, je vais dormir un peu là parce que je peux plus, je ne tiens plus, je n'arrivais pas à garder les yeux ouverts et tout. Donc j'avais mis sonner mon téléphone à 7h pour me réveiller à 19h au moins quoi. Riley! Et quand je me suis levée, on a remangé le barbecue, ce qui restait. D'ailleurs, on va remanger les viandes ce soir parce qu'il reste encore assez de viande. Je ferais juste des pâtes au beurre, des coquillettes au beurre, j'ai envie de coquillettes au beurre et des haricots au beurre. Et du coup, j'ai achevé mon diamond painting pour mettre sur ma porte des toilettes. Donc, je vais vous le montrer, comme ça je pourrais aller le mettre après. J'aime trop. J'aime trop, il est trop mignon. Voilà, donc je vais pouvoir aller le mettre sur ma porte. Je vais le coller avec un petit peu de double face. Hein. C'est juste être sûr qu'ils tiennent, qu'ils se cassent pas la gueule, mais sinon c'est pas. Et du coup, mon frère a reçu enfin ma commande ColourPop Twilight. Donc j'ai pris les deux highlighters et la palette, bien évidemment, hein, obligé. Donc on va se faire les swatchs aujourd'hui et demain on se fera un petit make-up. Enfin, je pense que je le tournerai quand même en reel et que je vous montrerai juste le rendu, mais vous aurez le réel, voire peut-être le short, je ne sais pas. Mais on va se faire les swatchs aujourd'hui. Et l'autre est retourné chez Colourpop, hein, celui que l'adresse était mauvaise là. Donc là, j'attends de voir. J'avais envoyé un mail directement, mais j'ai pas encore eu de réponse vu que c'était le week-end, pour voir s'ils allaient me le renvoyer ou me rembourser. Je ne sais pas. Donc s'ils me remboursent, désolé pour vous. S'ils me le renvoient, tant mieux pour vous. Voilà. Et il faut absolument que ce mois-ci, on a pas avant mi-août, on aille. Chez DM pour que je puisse faire le lot pour le concours des 12 ans de la chaîne parce que voilà, il me faut un lot. J'ai terminé Under the Dome aussi entre-temps et là j'ai commencé The Society sur Netflix et après je vais regarder The A-List, pas enfin, The A-List. On verra ce que ça donne.
Là, The Society, ouais, c'est pas mal. Pour l'instant, je suis à l'épisode 4, hein, j'ai commencé il n'y a pas tellement longtemps, donc j'ai pas beaucoup de recul encore. Bon, après, il n'y a que 10 épisodes, il n'y a qu'une saison. Donc voilà, et je pense qu'après ça sera enfin quand même, je vais regarder quand même House of Dragon, parce que il serait peut-être temps que je regarde. Alors, je vais prendre des lingettes. Et on va se faire les swatchs des highlighters. Ah oui, et entre-temps, aujourd'hui aussi, je vais attaquer. Je vous montre Mais je vais faire un colo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de colo. Et dans le livre que j'ai acheté sur Chine à cause de Miss Abonné. Et voilà, j'avais envie de faire celui-là. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de coloriage et ça fait longtemps que j'ai pas fait de portrait. Donc je vais voir. Je pense que je vais la faire en rouge et noir. Je sais pas pourquoi. Mais arrête, Yuki! Je sais pas pourquoi je la vois en rouge et noir. Donc voilà, on va voir. Non, allez, descends, je suis occupée. Alors, pour les swatchs, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. On fera ça quand ils seront en train de bouffer parce que sinon elle va pas me laisser faire. Voilà, on va pouvoir tenter tant qu'ils sont en train de manger. Alors, je suis désolée pour les bruits de bouche des Riley. Elle bouffe comme une grosse cochonne. Alors les highlighters, ils se présentent comme ça dans la boîte. J'ai pris le Vampire Skin. Je crois qu'il n'y en a que deux de toute façon, donc j'ai pris les deux. Qui a des teintes plus argentées. Et le Mido. Alors je sais pas ce que ça veut dire Mido. Tradition. Anglais. Donc là, il est là. Prairie. Ah oui. Oui, c'est la prairie où ils sont dedans. Mais c'est une clairière, c'est pas une prairie. Donc voilà pour les petits packard drink. Et alors, on va commencer avec le Mido, justement, qui a plus des teintes rosées. Je sais pas si vous allez bien voir les reflets. Oui, c'est rose gold, hein, en gros. Attendez, je vais en mettre un peu plus pour être sûr que vous voyez. Je sais pas si vous allez voir d'ailleurs. Il faut déjà qu'il me fasse le focus. Voilà. Et donc l'autre, c'est le Vampire Skin. Donc c'est un ultra choc, hein, comment ça s'appelle là déjà? Super choc highlighter. Ouh. Oula, celui-là il envoie du pâté. Alors bien évidemment il faut le diffuser, hein. Allez estomper, mais waouh. Alors vous pouvez très bien les mettre sur les yeux aussi, hein. Voilà. Comme d'hab, de toute façon moi je mets tout sur mes yeux. Ou inversement, je mets des parapaupières en highlighter. Voilà. Donc ça c'était pour les deux highlighters et la palette. Alors vous avez d'abord ce packaging en carton. Que moi je jette hein, tout ça et là la palette c'est très bien fait, bien sûr à l'arrière vous avez le nom des fards, poids net 16,5 grammes pour 15 fards, donc on a un peu plus de 1 gramme le fard. Ici vous avez Bella et Edouard dans la Mido et voilà les fards. J'ai largement hésité à la prendre, mais c'est Twilight quoi. Vous voyez, je peux pas passer à côté. C'est juste pas possible, mais alors vraiment pas possible. Les teintes sont vraiment très belles, donc je vais les faire comme ça. Comme ça, je fais 3 par 3. Donc on a le premier, c'est Edouard, et celui-là, oh my god, j'avais tellement envie de mettre mes doigts dedans. Ooh. Ensuite, on a le Say It Out Loud. Je ne sais pas c'est quoi. Et Impossibly Fast. Qui est un vert sapin, mais juste sublime. Donc ça, c'est les trois premiers. Je ne sais pas si vous allez bien voir.
Attendez, je vais les mettre où Bon, bah, écoutez, je vais les mettre là. Et je vous les montre. Oh, le Edouard, il est sublime. Non! Oh, putain. Alors, bien évidemment, les fards Colourpop sont assez poudreux. Descends. Donc, il faut faire attention. Alors, vous avez pas... Je vous montrerai après. Hein. Je vais faire les swatchs de tout. Et je vous montrerai mon bras parce qu'il faut que je me décale. Le Edouard, il est magnifique. Alors, ensuite, on a le Unconditionally, qui est un gris souris. Le The Cullen. Oh, ça chute de partout. Qui est sublime. Et le Bella, qui est un marron. Tout ce qu'il y a de plus classique, je vous les montre. Là, ça, celui-là, trop beau. Alors, il y a quand même possibilité de faire pas mal de make-up hein, avec tout ce qu'il y a là. Vous pouvez aller dans le gris, dans le marron, dans le vert, dans le bleuté, dans le dark, dans le plus soft. Je me demande si je vais pas vous incorporer une fois trois looks avec dans un prochain vlog. On a le Prom Night. Prom Night, ça fait promenade. Le Lion and Lamb. Oh! Oh! Et le Irresistible. Ils sont magnifiques ces trois. Je sais pas si vous allez voir, celui-ci il est duochrome. Ça se verra peut-être mieux sur le bras. Oh. Oh, il est vert et violet, très foncé. L'autre c'est un taupe grisonnant comme ça, métallisé, sublime. Ça c'est le genre de fard que j'adore pour mettre juste sur ma paupière. Vous faites un petit creux marronné, ça sur la paupière et bam. Ça a tout son petit effet make-up hyper rapide. Par contre, il y a des chutes partout. Alors, on a le Immortal, le 17 qui est un vert kaki et le Irrevocably qui est un bleu grisonnant, un bleu un peu jeans comme ça. Mais waouh, magnifique. Oh, il est beau. Ah. Le tout, ça va être choisir en quelle couleur je vais faire ça demain. Je vais tous les utiliser là déjà. Ensuite, on a le Ice Cold, le Moonlit. Je sais pas comment ça se dit, c'est pas Moonlight. C'est Moon et puis Lit, L-I-T. D'ailleurs, je ne sais pas c'est quoi non plus. Attendez. Moon Lit. Éclairé par la lune. Ah oui, et donc Moonlight. Ça ne s'écrit pas comme ça. C'est clair de lune. Voilà, ok. Et on a le Forever Young. Qui est un noir. Un micro paillette. Alors je ne sais pas si les micro paillettes resteront hein. C'est souvent le problème avec les micro paillettes, mais c'est très beau, très 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 beau. Il y a des chutes de partout. Le noir il fait des petits morceaux quand même, j'en ai partout. Il est beau. Oh là là, oh là 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 là. Bon, je vous montre mon bras. Donc, je fasse le focus. Je vais essayer de tourner l'appareil. Oh là là, il y a des belles choses. Il y a vraiment des belles choses. Je suis quand même agréablement surprise. Je m'attendais pas à ce que les fards à effet soient aussi. Waouh! Ah, le Edouard, il est magnifique. Celui-là, c'est le The Cullen. Là. Il est magnifique. Celui-là, c'est un fard de base que j'adore. Ces deux-là, le multichrome, là, enfin le duochrome. Oh là là là. Enfin, après, vous connaissez mon amour pour les duochrome, multichrome, trichrome, quintuple chrome. Donc, j'ai hâte de tester ça demain, en espérant que j'ai accès à mon bureau demain pour aller filmer ça. Ça sera plus simple que de le faire ici. Sinon, écoutez, on le fera ici. Hein. Maintenant, j'ai des paillettes plein le bras alors que je sors de la douche. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique.
Donc voilà pour la petite journée d'aujourd'hui. Je pense que je n'ai rien d'autre à vous dire. J'étais payée de partout. Je suis trop contente d'avoir enfin craqué dessus. Mais comme j'ai dit, c'est Twilight quoi. Je suis obligée. Mais j'étais clairement obligée. Pour ma collectionnite aiguë, c'était indispensable. Voilà. J'adore. J'aime beaucoup quand ils sortent des collections comme ça sur des films que j'adore ou des séries que j'adore. Après, ils font un peu des collections avec tout et n'importe quoi, mais là, je m'y attendais pas parce que je pensais. C'est comme Harry Potter, c'est sorti vachement après les films en fait. Et là, Twilight, ça fait quand même déjà une bonne dizaine d'années, voire plus que c'est sorti. Donc, je suis étonnée qu'ils fassent la collection que maintenant. Est-ce que c'est parce que justement, après X temps, les droits se perdent et que ça leur coûte moins cher ou voire rien du tout? De sortir une collection à thème comme ça, je ne sais pas trop. Parce que c'est carrément l'écriture qu'il y a dans le film, hein, le G c'est le même et tout. Donc je ne sais pas du tout. Bref, je m'en fous. Même après autant d'années, je suis toujours autant fan et j'ai hâte de l'utiliser. Voilà. Voilà qui me fixe comme une abrutie en me disant mais arrête de parler aux gens et parle avec moi. Et voilà, bon bah écoutez, pour aujourd'hui j'ai rien de plus à vous dire. Demain je vous montrerai probablement le résultat de mon coloriage, hein, parce qu'une fois que je l'entame le coloriage, en principe je le finis. Sauf s'il y a vraiment beaucoup trop de détails, alors à ce moment-là j'ai du mal à le terminer tout de suite, mais c'est quand même assez rare. Donc voilà, il faut que je fasse les swatchs de mes petites peintures que j'ai reçues de Temu pour quand je filmerai le haul. Et voilà. Je crois que la journée sera déjà pas mal entamée parce que bon, moi elle a déjà commencé il y a presque 4 heures maintenant. Donc je commence déjà à fatiguer un peu. Je vais déjeuner, j'ai même pas déjeuné encore. Je vais aller chercher ma petite pastèque dans le frigo. Et voilà. Donc ouais, demain ça sera le résultat du coloriage, je pense. Et on verra. Donc sur ce, on suit ce jour. Alors il est 9h30. J'ai été me recoucher un peu ce matin parce que j'étais naze. Attendez, je suis montée à quelle heure? À 8h30? Non. À 7h, je crois. Et Ryan me réveille à 8h30. J'ai traîné dans le lit jusqu'à 9h en essayant de le faire se coucher près de moi, mais il n'a pas voulu. Il attendait que je vienne lui donner à manger. Donc, voilà, ça fait une demi-heure que je suis réveillée de nouveau. Et je suis naze. Je viens de faire mon yoga, j'ai donné à manger au chien, j'ai ouvert mon lave-vaisselle, mon lave-vaisselle que j'ai fait tourner avant de monter, pour qu'il sache. Et j'attends de mes deux derniers colis, il me restera un truc et puis les trucs qui doivent arriver par voie terrestre. Mais je vais tourner le haul demain. C'est pour ça que je n'ai pas fait le make-up aujourd'hui, je le ferai demain. Parce que. Comment? Comme ça, je filme le haul en étant maquillée, quoi. Voilà. Donc, je ferai ça, tout ça demain. Et ouais, tout ce qui arrive en voie terrestre, j'ai filmé les petites vidéos des produits. Il se laisse tomber de tout son long, là. Si je le tiens pas, il tombe, ce con. Donc, hier, j'ai fini mon colo et j'en ai fait un pour mon abonné à qui je vais les envoyer une fois que j'aurai fini les quatre. Donc je vous les montre, mais je ferai la semaine prochaine, dans le prochain vlog. Arrête de me lécher. Les colos terminés du coup, parce que là il m'en manque plus beaucoup pour être à 20. Donc on fera les colos terminés en vlog aussi. Donc voilà ce que j'ai fait avec pour le mien. Je l'ai fait en violet finalement. J'ai juste fait les feuilles, les plumes j'allais dire. Elles sont en peinture métallisée verte. J'en ai remis un petit peu dans les roses. Son maquillage, j'ai fait avec un bic à paillettes violet. Et voilà, j'ai tout fait, le corps, la peau, j'ai fait que en pastel sec. Par contre, je ne sais pas si vous allez voir, ça se voit un peu plus. Après, ça va, parce que j'ai passé le blender dessus. Mais les crayons n'accrochent pas bien sur le papier. Je pense qu'il est trop lisse. Ça n'accroche pas bien. Ça faisait un effet vraiment dégueulasse. Avec le blender, ça va un peu mieux. Là, c'est les Brut Funeur que j'ai utilisé. Donc, je vais essayer sur un de ces colos avec les polychromos et on verra ce que ça donne, sinon je les ferai tous en peinture ou au pastel sec si ça va vraiment pas avec les crayons.
Et j'en ai fait déjà un pour elle, donc j'espère qu'il te plaira. Là, c'est que à la peinture métallique. Voilà, parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas besoin de plus pour l'image. Donc, je suis partie dans les teintes, je la voulais rousse, donc je suis partie dans ces teintes-là. Donc voilà, j'espère qu'il te plaira. J'ai juste fait les yeux en blanc. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup. En blanc irisé. Ouais, ça dépend comment ce qu'on oriente la feuille. Ça sort quand même pas mal. Et voilà ce que ça donne. Et je vais lui en faire un spécial rien qu'au pastel sec. Je vais lui en faire un au crayon. Et je pense que je vais en faire un au feutre. Faut que je voie. Riley est en train de travailler les gamelles dans toute la cuisine. C'est ça le bruit que vous entendez. Elles sont vides, donc elles se promènent avec. Sinon, 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 ben rien. Du rien à vous dire en fait. Hier j'avais une crise de migraine. Hier j'ai dormi, j'ai énormément dormi. J'ai dormi presque toute la journée parce que j'avais mal la tête. Et sur le chemin pour aller chez la kiné, ça s'est transformé en migraine. J'avais envie de vomir, j'avais mal, j'avais du mal à garder les yeux ouverts et tout. Ça, c'est pas calmé chez la kiné, chose qui arrive très souvent. Donc, je suis rentrée, j'ai pris un cachet et j'ai pris mon masque noir hein, avec le gel à l'intérieur et j'ai été me recoucher. Et j'ai dormi de 18h à 20h. Enfin, il était 8h moins le quart quand je me suis levée. Et ça s'est passé. Donc, j'étais contente. Mais là, j'ai absolument mal partout, là, depuis 2-3 jours. Et ça me tire vraiment dans la nuque. Là, ça va mieux parce que j'étais chez Akin hier, mais hier c'était un enfer avant d'aller chez elle, là, la nuque. Et du coup, la fatigue plus les douleurs, tout ça, bah, je pense que c'est ça qui m'a déclenché la migraine. Donc là, j'ai été me recoucher un peu ce matin. Je voulais vraiment, j'étais motivée quand je me suis levée. Et puis au bout de. Donc je me suis levée à 5h et j'étais me recoucher à 8h moins le quart. Ça faisait déjà bien une demi-heure, trois quarts d'heure que j'étais en train de piquer du nez devant le PC. Donc j'ai dit allez hop, je vais me recoucher maintenant, je mets une alarme à 9h30 au cas où pour le facteur. Mais bien sûr, je me doutais bien que Ryan n'allait pas me laisser dormir aussi longtemps. Donc là, le pire, c'est que j'ai un colis qui arrive par le facteur. Donc lui, en principe, il vient vers 10h30, s'il n'a pas de retard. Et j'ai un colis qui vient par colis privé. Et eux, on ne sait jamais à quelle heure ils vont se pointer. Parce que d'habitude, ils viennent après 16h. La dernière fois, la fille, elle s'est pointée à midi. Juste après le facteur. Donc ça m'arrangeait parce qu'après j'ai pu aller dormir tranquille. Là, je ne sais pas du tout si ça va être le même cas. Ce que j'espère. Comme ça, je peux aller me coucher. Mais voilà quoi. C'est pas. C'est chiant qu'on n'a pas d'heure de livraison chez eux. J'ai toujours pas de nouvelles pour la première commande Colourpop. Ils m'ont toujours pas répondu. Donc normalement, ça aurait dû être aujourd'hui. J'espère que Chéri va réussir à avoir le DRH aujourd'hui pour voir pour le permis d'Enzo. Et voilà. Donc, bah écoutez, sur ce, j'ai rien de spécial à vous dire. Jeudi, j'ai mon jeu qui sort, donc on testera le jeu ensemble. Bon, moi, j'ai déjà fait le début en démo, donc comme ça, je peux la recommencer avec vous. Et comme ça, vous verrez si ça peut vous plaire ou pas. Il sort jeudi. Normalement, je peux déjà l'installer aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui ou demain. Je sais pas, faut que j'allume la PS pour voir. Et mardi prochain, il y a Ova Magica qui sort. Et là aussi, on le testera ensemble dans le prochain vlog. J'ai trop hâte. Je l'attends encore plus que le Flintlock, là, finalement. C'est plus cucu, hein, mais voilà. Quand c'est pour se changer les idées, c'est vraiment le genre de jeu que j'adore, là. Le Song of the Prairie, là, là, je me suis calmée un petit peu. Parce que j'ai bien avancé dans le jeu, hein, vu que j'ai beaucoup joué. Et que, comme en ce moment, je suis extrêmement fatiguée. Si je joue, j'attrape mal la tête direct. Donc, j'évite les jeux. Par contre, je vais avoir fini de regarder The Society là. Je suis au dernier épisode. Donc j'ai été me spoiler toute seule. Hein, donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, si vous avez une idée de la fin. Si jamais vous avez une idée de la fin, parce que vous l'avez regardé, dites-moi ça en commentaire, on pourra en débattre. Comme ça, vous mettez juste spoil avant de commencer votre commentaire. Spoil série, comme ça les gens savent que s'ils veulent la regarder après, ils n'ont pas le spoil. Comme ça, on peut en débattre entre nous sans que eux ne soient au courant de la situation. Et après, je vais attaquer The List. Voilà. Donc, j'ai reçu l'adresse de la personne de mon abonné pour lui envoyer les colos une fois que je les aurai terminés.
Donc voilà, comme ça j'ai le temps de faire ça tranquille la semaine. On fera pour la semaine prochaine, pour le prochain vlog, je vous montrerai les 20 colos terminés, comme ça je peux les inclure dedans. Et ou pas, je ne sais pas. Ou je vais peut-être lui laisser la surprise, je vous en ai juste montré un. Je les prendrai en photo au pire, mais je ne sais pas. Je vais voir comment ce que je recolorie entre-temps. Parce que j'ai plein de diamants de painting à faire, au cas où vous n'auriez pas vu le haul, le dernier haul Temu qui est déjà sorti pour vous, ou pas encore, ou c'est demain. Attendez. Attendez. Non, c'est demain pour vous. Bah, vous allez voir le carnage. Vous allez voir le carnage. C'est un truc de dingue. Ça va, là, j'ai regardé, j'en ai deux. Hein, j'en ai reçu deux déjà que j'attends pour filmer le haul, le reste de mes commandes aujourd'hui. Hein. J'en ai que deux et j'en attends plus. Je me suis calmée avec les Diamond Painting. En fait, le problème, c'est qu'ils sont tellement pas chers sur Temu, là, que l'image, elle est belle. Alors, je dis, ah, j'en ai pas un comme ça. Allez, hop, ajoute au panier. Ils sont à 1,99, 2,99, parfois un peu plus, mais c'est rare. Puis, ah, celui-là aussi, il est pas cher. Et puis, il est beau. J'en ai plein encore hein, dans mon panier, mais bon, là, j'aurais pas le temps de tous les faire avant ma mort, je crois. Par contre, là, sur le Harry Potter, j'ai un peu de mal à avancer. Je vais vous montrer. J'ai un peu de mal à avancer parce que bah, déjà, c'est très sombre, mais c'est beaucoup les mêmes couleurs. Vous voyez, j'ai fait tout le bas, là. Et ah bah ça va, les lunettes, finalement. Attendez, j'enlève le plastique. Parce que quand on le fait, j'ai l'impression que les lunettes, ça ne se voit pas que c'est des lunettes, en fait. Vous savez, de tout près, des fois, on voit que le truc. Mais en fait, les lunettes, c'est le... C'est dessiné en dessous des strass, donc on voit moins. Mais ça va de loin, ça va, on les voit quand même. J'ai hâte d'arriver à Edwige. La bougie va être intéressante à faire aussi. J'ai jamais fait de flamme, je crois, en diamond painting. La lune. Ouais, je pense que c'est vraiment la partie-là la plus chiante. Bon, la partie que je vais avoir fini en fait. Et après ici, quoi. Moi c'est ça que je ne supporte pas. Ça, j'aime pas quand c'est tout la même couleur, là, que les mêmes chiffres et qu'il faut coller à la suite en fait. Mais bon, il faudra bien que je le fasse. Hein. Et c'est à peu près comme ça partout, en fait. Où il n'y a pas de dessin. Mais je pense que ça va. Finalement, j'ai passé la plus mauvaise étape. Donc, je pense que je vais pouvoir le finir assez rapidement, quand même. Rapidement, tout est relatif. Hein. Surtout qu'il y a le jeu qui sort jeudi. Donc, je ne sais pas du tout quand... Après, comment je vais jouer. Si ça va si je vais être à fond dans l'histoire et tout ça. L'histoire a l'air quand même super intéressante. Et j'aimerais bien aller aussi chez Micromania cette semaine pour aller chercher le cadeau d'anniversaire de mon frère, tant qu'il y a les soldes. Parce que j'ai vu deux jeux qui pourraient lui plaire, qui sont en solde. Donc comme ça, je peux lui prendre les deux. Parce que normalement, je devais lui acheter une carte Steam pour jouer à Palworld. Mais je sais pas, il prendra pas le temps de se mettre devant son PC pour jouer. Tandis que la console, il prendra peut-être un peu plus le temps. Donc voilà, je vais voir avec chérie quand est-ce qu'on peut y aller. De toute façon, il faut qu'on aille rechercher des croquettes pour les chiens et des verres pour les titis, parce que les verres, ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas eu. Ah oui, j'avais dit que je remettrais une date ce matin et j'ai oublié. Merde, merde, merde. J'ai même pas fait sortir les chichous encore. Quand je me lève à 5h, ils sont trop endormis à cette heure-là. Et ils se réveillent quand moi je vais me recoucher, en fait. Donc on n'est plus synchro, là. Franchement, vivement le mois prochain, là. Il reste 2 semaines. Enfin... il travaille jusqu'au premier, jusqu'au 2, je crois, Sam. Ou jusqu'au 8, je ne sais. Ah, peut-être jusqu'au 8. Il a commencé le 8. Ou jusqu'au 5. Je ne sais plus quand est-ce qu'il a terminé son contrat. Mais vivement que je n'ose plus me lever pour lui, quoi. Chérie, je me lève pas normalement pour lui. Il se démerde, il est en retard, il est en retard. Mais lui, il peut faire ses horaires qu'il veut. Mais là, c'est Sam. Donc, Sam, il peut pas faire les horaires qu'il veut. Donc, si son père se lève pas, il est dans la merde. Donc, je suis obligée de me réveiller pour être sûre que chérie se lève et que Sam se lève. Mais demain, je pense que je vais essayer d'aller me recoucher directement une fois qu'ils sont partis ou une fois que je les ai réveillés parce que je peux pas garder ce rythme-là. Là, je suis en train de me défoncer le sommeil toute seule alors que j'avais rattrapé un rythme normal. Que je dormais mieux et là c'est de nouveau un enfer le sommeil, je suis de nouveau épuisée quoi. Donc et voilà. Bon, allez, sur ce, on se dit toujours. Hein.
Alors, il est très tôt, très 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 tôt, 6h30. Je viens de tourner le réel donc avec la Color Pop Twilight. Alors, vous verrez le réel sur Instagram, hein, mais je vais juste. Alors, j'ai mis les highlighters, j'ai mis les deux. J'ai mis le rosé ici et l'argenté par au-dessus, en faisant un petit mélange après, et rendu est juste waouh! Waouh, waouh, waouh! J'ai mis également en coin interne le gris et sous le sourcillon. Et alors, j'ai fait le creux avec celui-ci, le coin externe avec celui-ci. J'ai mis celui-ci en paupière mobile et les petites paillettes là par-dessus et en ratine. Et voilà! Je vais la redescendre comme ça, si jamais je dois refilmer dans la semaine, ce qui m'étonnerait. On sera peut-être ça la semaine prochaine, je ne sais pas, mais je referai quelques looks avec, je vais voir. Donc là, je vais tourner les close-up de mes fringues que j'ai reçus de Temu. Comme ça, je vais tourner déjà la première partie, comme ça je peux ranger, surtout qu'il y a des trucs que j'utilise déjà. Filmer la première partie du haul aussi Temu. Et voilà. Alors, big craquage hier soir, qui n'était pas du tout prévu au budget. J'ai reçu un mail Pélouise pour dire qu'il y avait 20% sur le site. Alors déjà, j'ai vu qu'il y avait déjà la liste d'attente pour le calendrier de l'Avent 2024. Donc je me suis inscrite, bien évidemment. Alors il est plus cher, hein. L'année dernière, il était à 250. Cette année, il est à 295. Plus les frais de port, plus les frais de douane. Il va me coûter bonbon celui-là. Hein. Mais je pense que je vais quand même craquer parce que, à part les teintes qui n'étaient pas ouf, les produits étaient quand même incroyables. Et du coup, j'ai craqué puisqu'il y avait une promo sur les box surprises. Donc j'ai pris un abonnement de 6 mois. Voilà. Donc je vais recevoir tous les 6 mois une box Pélouise. Alors bien sûr, évidemment, j'aurai des frais de douane à chaque fois. Hein. Sans les frais de douane, ça revient à peu près avec les frais de port. Maintenant, je ne sais pas si les frais de port, ils vont les décompter tous les mois, parce que j'ai eu 12,90 € de frais de port. Ils disent que les frais de port sont compris dans le forfait. Bien sûr, apparemment, pas pour la Belgique. Je ne sais pas s'ils vont me décompter les frais de port tous les mois. Mais là, en payant une fois les frais de port, plus les 6 box qui étaient en promo, ça revient à 32 € la boîte. Franchement, vu le contenu des précédentes, c'est vachement rentable. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir la première. Bien sûr, on découvrira à chaque fois en vlog ensemble. Et voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce matin, je me suis réveillée à 3h30. En même temps, j'ai été me coucher à 20h30 parce que j'étais pas bien après manger, mais alors pas bien de chez pas bien. J'avais envie de vomir et tout. J'étais vraiment au plus mal. Donc j'ai été me coucher. Alors, j'ai pas pris mes cachets. Donc du coup, ce matin, estomac en feu. Alors, quand je vous dis en feu, c'est en feu. Du coup, ouais, je me suis réveillée à 3h30. Donc, j'ai déjà bien commencé ma journée, moi. Voilà, ça fait déjà 3 heures que je suis en route, que j'ai pas arrêté. J'ai transvidé le swap dans un autre carton, puisque chérie, hier, je vous montrerai demain, parce que là, je vais pas vous reprendre en bas. Avait fait une commande au boulot d'alcool, il s'est acheté une bouteille de 4 litres et demi de Ricard. Je vous la montrerai demain, c'est quand même un sacré steak, le bazar. Et voilà, donc j'ai récupéré ce carton-là qui est beaucoup plus propre et plus costaud que celui que j'avais mis dedans. Et voilà, on fera les choses samedi, j'ai trop hâte d'y être. Ouais, sinon, j'ai rien de plus à vous dire. Hier soir, j'ai rien foutu puisque j'ai été me coucher après, directement après manger. Hein. J'ai fumé une clope et je suis montée me coucher. J'ai même pas bu de café, j'ai oublié, j'ai pas pris mes cachets, rien, tellement j'étais pas bien. De toute façon, les cachets seraient clairement pas passés. Donc du coup, je suis montée me coucher, j'ai mis mon masque noir pour dormir, enfin mon masque pour dormir quoi, je me suis réveillée à 3h30. Ce qui fait une bonne moyenne de sommeil, comme ça fait 7 heures de dodo, donc voilà. Clairement, il va falloir que j'aille me recoucher dans la journée, hein, je tiendrai pas jusqu'à ce soir. De toute façon, je tiens jamais jusqu'au soir. Maintenant, à voir jusque quand je vais être en forme. Là, je vais tourner les close-up, j'irai boire un café, après je tournerai la première partie du haul, je ferai mon yoga aussi. Et voilà. Après, j'irai la douche aussi, que je ferai chauffer à la salle de bain une fois que j'ai fini de tourner le haul. Et voilà.
Donc j'ai vraiment hâte de recevoir la première box, là, Pélouise. Je sais que je ne serai pas déçue parce que même si tous les produits ne me plaisent pas, bah, oh, de toute façon je les mettrai en concours, clairement. Mais je sais que de toute façon ça sera rentable et que bah, déjà rien que les soins, Pélouise, gros coup de cœur sur ces soins-là. Donc voilà, même si le make-up me plaît pas forcément, j'espère que j'aurai pas trop de base, parce que je suis pas une grande fan de la base, Pélouise. Et j'espère que j'aurai beaucoup de soins. Par contre, j'ai vu un truc que j'aurais dû me commander en plus, j'ai complètement zappé du coup. Je referai peut-être une petite commande le mois prochain pour me le commander. Il y a un truc pour les sourcils, donc c'est un kit crayon et mascara qui est dans un gobelet à café. Donc voilà, je pense que je me le recommanderai le mois prochain probablement. Ou peut-être tout de suite, je ne sais pas. Je me tâte. Je me tâte, je me tâte. Après, je me dis si je l'ai dans la box, c'est un peu con, mais bon, en même temps, c'est pas perdu, hein. Produit pour sourcils et gobelet pour le café, c'est pas perdu du tout. Donc je vais voir, je vais me tâter encore un petit peu. Me connaissant, je vais pas me tâter très longtemps et dans 10 minutes, il sera commandé. Après, ce qui est chiant, c'est les frais de port et les frais de douane, quoi. Voilà. Je vais voir. Ou alors j'envoie un mail pour voir si ils peuvent me le rajouter à ma commande de la box. Je ne sais pas. On verra bien. Bref. Bon, sur ce, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Comme ça, après, si jamais je sombre, je peux sombrer tranquille. Et nous, on switch de jour. C'est beau, hein? Trop beau. J'adore. Finalement, on les voit bien, les petites loupiottes, mais j'adore commander des autres sur Temu. J'ai recommandé également du tissu pour changer mon tissu là, du canapé, qui est vachement moins cher que sur Mondial Tissu, hein, puisque il y a un petit peu de rangement. Ça, c'est le swap, avec mon gilet par-dessus, mais c'est le swap. Donc, il est 9h42. Voilà. Je viens de sortir de la douche, je viens de faire mes ongles de pied, il faut que je refasse mes mains. Je les ai fait hier avec des nouveaux vernis que que j'ai acheté hier. Mais j'ai fait la pochinette. Donc j'aime pas avoir les ongles pochettés, donc je recommence. Je les ai fait dans la précipitation hier soir et du coup ça a fait n'importe quoi. Donc j'ai racheté ceux que j'ai trouvé chez Auchan là, dans les trucs discount. Donc j'ai pris le noir, voilà, parce qu'ils sont tellement bien ces vernis. Et celui-ci. Voilà, il n'y a pas énormément de couleurs, mais je me suis dit le noir au moins, il m'en faut. Nye, focus de merde. Et là, je vais mettre celui-là avec les petites paillettes de chez Essence. Voilà, je vais rien faire d'extravagant. Donc ce matin, je vous ai pas pris hier parce que bah déjà je me suis battue avec ma manette PlayStation. Hein, mon jeu est sorti hier et ça m'a joué une heure avec ma manette et elle bug. Donc ça fait que mon perso part tout seul sur la gauche et que bah, je tombe des falaises et tout ça. Donc ça m'a gavé. Donc j'ai arrêté. Et le soir, on a été en chercher une nouvelle. Au Micromania, j'ai pris. Alors, je voulais une rose, mais il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris une militaire. Voilà, une camon. Je vais pouvoir jouer un peu là parce que je commence à fatiguer. Je suis en route depuis. Ben, je me suis levée à 5h pour Sam et Chéri. C'est son anniversaire aujourd'hui. 40 ans, monsieur. Il devient aussi vieux que moi. Et je me suis rallongée. Enfin, j'ai redormi 1 heure. Mais je crois que j'ai pas vraiment redormi, en fait. Donc, j'étais fatiguée. Et depuis, j'arrête pas. J'ai pas arrêté. J'ai fait mon ménage. Là, il faut encore que je regarde tout lave-vaisselle. J'ai rangé. J'ai fait mon ménage. J'étais à la douche. Qu'est-ce que j'ai coupé? Je me suis occupé des chiens. Je ne sais plus. Enfin, j'ai pas arrêté. Là seulement que j'ai été à la douche, là, il va seulement que je m'assoie. Voilà, que je m'assoie pour de bon, hein, parce qu'il fallait bien que je m'assoie de temps en temps.
en faisant le ménage, mais alors j'ai dû nettoyer la cuisine avec un, il y a un rond comme ça qui n'est pas nettoyé à cause de Yuki, qui est assis là et qui voulait absolument pas bouger. J'ai essayé de le pousser avec ma machine, j'ai lavé avec l'appareil Karcher, hein, mais il voulait absolument pas bouger. Là, il dort, enfin. Donc voilà, moi j'ai fait ça. La guirlande, je l'ai commandée sur, sur Amazon. Sauf que ben, je pensais que ça éclairerait un petit peu plus. Et là, j'ai commandé un rideau, en fait. Vous savez, comme ça, je peux faire vraiment deux pans, comme ça, en lumière blanche. Et là, le tissu, j'ai pris du pastel. En ce moment, je suis dans ma période de pastel. Et c'est un dégradé de pastel, en fait. Et j'ai pris les élastiques que, normalement, c'est pour tenir les draps housses sur les matelas. Ben, j'ai pris ça pour faire tenir, parce que j'en ai marre de remettre le canapé en ordre toutes les 5 minutes. Là. Déjà, les coussins, hein, j'arrête pas de les remettre en place, parce que les chiens... La couronne, là, j'ai carrément ramassé à la cuisine, tantôt. Ça, c'est Yuki. Et voilà. Ouais, là, je vais faire mes ongles. Ah, j'ai déjà fait mon yoga aussi, ce matin. Je vais remettre un peu de froid sur ma main parce que j'ai extrêmement mal. J'ai préparé ma tenue pour demain puisque demain il y a Manon qui descend, on fait l'échange de swap, on va au restaurant et voilà, on va passer une bonne journée. Si on a le temps, j'irai lui montrer la galerie du Auchan. Donc vous aurez le swap mercredi. Hein. Demain pour vous c'est un haul Temu. Oh, comme c'est étonnant. Et vous allez voir que c'est un gros carnage Diamond Painting. Et mercredi le swap et samedi le vlog. Là je vais voir si soit je rouvre le vlog demain. Après j'ai un peu peur d'oublier de filmer et d'ouvrir le vlog pour rien. Ou soit je fais un daily vlog pour dimanche. Demain pour vous, oui je dis demain pour le Diamond le haul, mais c'est lundi, mais je ne sais pas ce que je vais penser à filmer, donc je ne sais pas. voilà donc ouais, j'ai les cheveux attachés parce que j'étais à la douche et qu'il fallait pas que je me lave les cheveux. Ah oui, j'ai changé un petit peu mon étagère, alors j'ai épuré mon étagère. Voilà, j'ai fait le petit diamond painting là en plaque dragon. Et vous voyez, c'est quand même beaucoup plus épuré. C'est plus joli. Voilà, voilà. Et mon bouton de fièvre, il va mieux, hein, mais ça reste rouge chez moi. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, en même temps, j'arrête pas d'y chipoter. Hein. Bref, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Non, voilà. Donc vous voyez le gros carton du swap. J'espère que tout lui plaira. Je vous avais déjà dit, hein, le principe qu'on a fait cette fois-ci. C'est un swap totalement surprise. On a mis un thème, bon, vous en saurez plus mercredi, mais on a mis des catégories et on a fait que sur Shein, AliExpress et Temu. Voilà. Et il y a un peu toutes les catégories, ça change du make-up. Voilà, on va peut-être, je vais peut-être voir avec elle si elle veut refaire un swap calendrier de l'Avent cette année. C'est en quelle année qu'on l'a fait? 2019 et 2020, je crois. Donc ouais, ça fait quand même 4 ans qu'on ne l'a pas fait. Voilà, ça faisait, ouais, ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas fait de swap et j'ai envie d'en refaire un avec elle. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, moi je crois que j'ai rien de plus à vous dire. Je ne sais pas si je vais ouvrir le vlog samedi, si je vais faire un daily vlog pour dimanche. Je ne sais pas du tout parce que à chaque fois je commence et puis après, une fois que je suis avec Manon, bah, j'oublie de filmer en fait. Puisqu'on profite l'une de l'autre, vu qu'on ne se voit pas régulièrement. Donc voilà, voilà. Là je vais faire mes ongles, jouer un peu et peut-être penser à manger aussi parce que je commence à avoir faim. Voir mon lave-vaisselle d'abord, priorité à mon lave-vaisselle, voir où ce que j'en suis, voir si je peux le faire tourner maintenant ou pas. Et voilà. Il y en a un qui vit sa meilleure vie là en dessous de mon bureau, dans son panier. C'est Yuki. Il est couché dans le fauteuil là-bas, sur toutes les couvertures comme d'hab. Mais gros est monté se coucher en haut.
J'avais presque fini la salle de bain. Ah, on en voit le bout, on en voit le bout. Donc voilà, j'ai hâte. Bon, bah écoutez, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve donc, au pire des cas, lundi pour le haul, le vlog, j'allais dire. Oh, je perds la boule. Samir, il se foutait de ma gueule parce que je trouvais pas mes mots, mais en ce moment, j'arrête pas. Et ben voilà. Donc moi, j'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.